6. 19. C'est à moi que vous parlez? Oui, jeune homme, je vous disais qu'il y en a 19. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bah, que vous me disiez jeune homme. Mais vous êtes un jeune homme par rapport à moi. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi comptez-vous les pigeons? Ben, pour savoir s'il en manque ou s'il y en a de nouveaux. Ah, le petit là, avec une plume blanche sur l'aile. Mmh. C'est un nouveau, il n'était pas là samedi. Hein? J'ai remarqué. J'ai appelé plume blanche. Vous leur donnez aussi des noms? Pour mieux les reconnaître. Si on regarde bien, il n'y en a pas deux pareils, hein? Mmh. Ils ont tous leur caractère, c'est comme les gamins. Vous avez des enfants? Non. Et vous? Non. Remarquez, si vous aviez eu des enfants, vous iriez pas... vous iriez pas les confondre. Parce que j'en avais eu 19, c'est à voir. Mais alors les autres, là, dites-moi les noms. Ah, les autres. Ben là, c'est Pierrot et Cocotte, là, qu'ils n'arrêtent pas de se bécoter. L'autre à côté, là, il s'appelle Têtu, Mouche. Ici, c'est Biscotte. Et puis, celui qui veut toujours avoir le dessus, là, c'est Jeannot. Là, l'autre, il a une plume dans le bec, là, c'est Voleur, je l'appelais Voleur, il prend toutes les plumes. Et puis là, la petite qui fait sa maligne, là, vous voyez, ben, c'est Marguerite, ça. Ah, et comme puis... moi. Ah bon? Oui. Moi aussi, je m'appelle Marguerite, avec deux T. C'est mon pauvre père, quand il est allé me déclarer à la mairie, mais il savait pas trop bien écrire. Alors après, ma mère a voulu garder le nom comme ça, ça leur a plu. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Il y en a qui sont nés par mégarde. Bon, faut que j'y aille. Alors, pour un autre jour, peut-être? Ah, c'est pas grave. Oh, merci, monsieur. Merci. Monsieur, comment? Chaz. Germain Chaz. Eh bien, monsieur Chaz, je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Et merci de m'avoir présenté votre nombreuse famille. Mais... Ah, mais faut pas laisser votre sac, là, parce qu'il y a des petits voyous qui peuvent vous le prendre. Pour ce qu'il y a dedans. Oui, mais c'est pas écrit dessus. Ah. Hein?